Merci d'être venu. Pourquoi seul au monde, il n'y a plus des camions verts à côté? Fabien et la Jacques, Sébastien, je vais pas voir de la journée, peut-être soir, voilà, je suis tout seul. Je vais vider à Saint-Jean-d'Iac, j'ai trop pas tout. Saucem à faire, alors une merde, bon. Enfin, ça ira bien quand il rentre. Et encore quand il va qu'une fois, moi j'y reviens trois fois. Et en plus, ce matin, il y a plein de monde et tout, c'est génial. Et après, je me fais un retour où je me suis fait chier la vie vendredi dernier, à Mi-Montagnac d'Auberoche. Je crois que tu seras pas tout seul parce qu'il y a Jean-Pierre, il m'a appelé hier soir et je crois qu'il y tourne là-bas. C'est quoi? C'est un dépôt pour qui? Ah mais c'est ça, il me semble que j'ai entendu ça hier. Ah ouais, mais ils ont peut-être ramené du coup hier, alors demande ça. Parce que là je sais pas trop où il est, il m'a pas appelé mais il montait vidéo en barres. Donc ça se trouve il y est. Et après, je sais plus ce qu'il est. Ah si, il fait le tour que j'ai fait hier à Saint-Dirac. Et après, je sais plus quoi. Bon, d'ailleurs, ça s'est bien passé pour la Saint-Dirac, c'est passé. Bah écoute, je suis mon tonton et c'est impeccable. Comme je disais à Seb, quand il marque un panneau interdiction, il marque pas l'autre où est-ce qu'il faut que tu passes. Donc j'ai galéré 2-3 minutes et puis j'ai trouvé l'épingle à cheveux et voilà, et là, impeccable. Et après, comme elle allait, je m'étais fait chier sur un rocade pour y aller là. Ça bloquait, je sais pas si ça bloquait sur le pont ou quoi, ou presque. Hein. Du coup, j'ai repris la rocade en sens inverse et j'ai pris le bon accident pour revenir à la tablière.
avec ta merde, Fredas. Bip que j'ai entendu, les motos 1351 de la part de Daddy 33.
t'as sur la station avec le double Roger Bip. Là. Oh, bah, c'est pas grave.
J'ai entendu très furtivement là des Français là sur le canal 9. Oh, il devait être en train de rouler là, j'y entends plus. Là. Ah bah décidément. Je les ai à nouveau entendu là très furtivement, mais bon. Maintenant, je crois que c'est l'espagnol qu'on entend là. Oh oui, maintenant c'est l'espagnol ou portugais. Monsieur Baco, au revoir, bon direct. Operator Lawrence, 26 Alpha Mike 06, QRZ.
10 26 Alpha Mike 06 QRZ. Roger on that one, Mike. I do believe we've spoken before. It's 26 Alpha Mike 06 operator John Juliet Oscar Hotel November. I do believe we've spoken before, Roger. Pour les bandes basses, hein, j'en ai fabriqué pour quelques copains, mais oui, mais si tu respectes pas pile la valeur à micro-Harry, là, mais tu vas n'importe où. Ouais, mais un fourche, il donne pas de valeur. Il donne pas de valeur à micro. Enfin, ça dépend peut-être des bandes aussi. Il y a peut-être des valeurs suivant les bandes. Là, c'est possible parce que cette antenne, elle peut fonctionner sur le sur toutes les bandes. Absolument. Ah, la fouche, elle peut fonctionner sur, sur 20 mètres, sur 30 mètres, sur 40 mètres, sur 80 mètres. Les valeurs changent de la capacité de la selle, mais tu peux faire une selle, une antenne fouche sur la bande que tu veux, n'importe laquelle, amateur ou non. Ouais, ouais, donc, oui, et je pense qu'il faudrait que je retrouve le site... Alors, juste avant de démarrer la vidéo... Il parlait du nombre de spires et du diamètre des spires pour concevoir une antenne. Ouais, ça serait bien. Comme ça, au moins, je ferai pile et puis je ferai une antenne. Puis ce qu'il faut pour calculer les selles, ce sera plus facile. Ou je t'enverrai le lien parce que j'avais trouvé un lien là, putain, des antennes, il y en a 250 ou 300, un truc de fou. C'est intéressant. Ah, c'est intéressant si tu veux trouver quelque chose pour d'autres bandes. Alors, antenne CB, voilà, je vais aller dans un site qui arrive de Russie. Alors, ça s'appelle Antennas in the World. Antenna in the World? Yeah, Antennas, c'est bizarre parce qu'il y a une antenne. Antenna in the World. Ouais, bon, mais je vais voir. Et là, tu vas pouvoir, alors qu'est-ce qu'il y a, l'antenne fuchs. Il y a la fameuse antenne J-Pole, mais tu la connais celle-là? Oui, mais elle marche très bien celle-là. Alors ça marche divinement bien. Je vais en faire une pour Mimi. Ouais, mais comment il va l'accrocher? Et à 25 mètres de haut. Ah, tu veux parler sur le pylône? Oui. Descendant vers le bas, ah oui. Ah oui, c'est sûr. Moi je serai à la hauteur où vous êtes, il y a longtemps que j'aurais foutu deux pylônes côte à côte, puis servirait carrément d'antenne, parce que c'est une antenne intéressante, ça, parce que dans la mesure où elle est posée, elle a une impédance, l'impédance est à zéro. Et la corde, t'as vu comment ça se fait, tu fais courir sur la partie, sur la demi, entre la demi-onde et le carbone d'adaptateur, tu fais courir ton câble coaxial ou tu cherches le point d'attaque pour avoir tes 50 ohms. Mais c'est super ça. C'est une antenne où le sol ne lui apporte rien. Elle est autonome, quoi, si tu veux. Ouais, ça les curieux. Le problème c'est qu'il y a l'antenne dessus et ça n'irait pas. On va aller faire les curieux sur ce site internet. Merci des conseils. Si tu as mis dessus, si, elle servirait, mais elle te servirait à faire une capacité en tête de mât qui te permettrait, avec ce pylône, d'aller sur des bandes beaucoup plus basses. Tout en respect. Il fait combien, 10 mètres? Malheureusement, il ne fait pas tout à fait 10 mètres. Il fait 9 mètres 50. Il est trop long pour le 27. Pour le 27, il faudrait qu'il fasse 8 mètres. Ouais, je peux la commencer plus haute. Un peu plus haut. Oui, tu peux. Non mais elle n'est pas. Ça c'est une antenne qui n'est pas. Elle peut marcher directement posée par terre sur le sol. Alors c'est pour ça qu'elle est intéressante. L'impédance d'attaque en bas au ras de la terre est à zéro. Zéro ohm. Alors ça n'altère pas le rayonnement de l'antenne. Ah, la J-Pole, c'est intéressant. Il y a l'autre, après, c'est carrément, c'est 2 demi-ondes, je crois. C'est quoi? C'est l'antenne, je sais plus. Il y a l'antenne J et l'autre. Et l'autre, elle s'appelle la double, la Slim Jim. Ah voilà, Slim Jim, c'est ça.
La slimime est très utilisée dans la bande des 2 mètres. Il y a beaucoup de gens qui faisaient du 2 mètres en vertical pour attaquer les relais avec une slimime. Elle a déjà pratiquement un dB et demi de gain. Ouais, j'en avais une comme ça, une slimime. Mais comme j'ai pas ma licence, ça ne peut pas me servir, je peux ne peux qu'écouter. Mais t'as mis une Slim Jim, même t'en as une pour le 27 mégas d'ailleurs, un fil. Oui, j'en ai une, exactement, je me suis servi en horizontal, ça pète. Hein. Oui, t'as chez nous, mais moi les deux doigts dans le nez avec ça. Ben, j'avais tendu entre deux arbres, mon vieux, j'arrivais, c'était ouest-est. Dis donc, les amerlocs, ça m'a fait bien. Ah oui. C'est pas une antenne qui coûte cher avec du fil. Ouais, t'en as pas pour faire, tu récupères ça sur un transfo. Que tu récupères un transfo cramé, là tu récupères le secondaire, un gros fil, là, de 1 mm. Alors, où est ma petite Slim Jim? Ciao.